le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Hide and Seek Canada. Donc, Cherche et Trouve Canada, la version spéciale pour le Canada avec des animaux du Canada. Donc, le raton laveur, le caribou, le castor et l'ours. C'est un jeu de challenge individuel qui contient 48 challenges. Donc, je vous montre comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Cache-Cache vient avec 4 pièces de puzzle, un boîtier et 48 challenges. Donc, ce qu'il faut faire, on tourne d'abord au premier challenge et il va falloir s'assurer que les 5 castors sont visibles sur la planche ici. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de placer des morceaux de puzzle pour cacher les pièces, les autres animaux et laisser les castors visibles. C'est pas bon, puisqu'ici, j'ai encore la bernache qui est visible. Donc, je vais continuer à travailler là-dessus. Ah, voilà. Donc, c'est parfait. J'ai réalisé le challenge numéro 1. Et ce qu'on peut faire, on peut tourner la feuille et voir la réponse à l'arrière. Donc, on voit que j'ai bien placé chacune des pièces au bon endroit. Donc, on va essayer un challenge un peu plus complexe. Donc, disons le 14, où il faut avoir 3 ratons laveurs, 2 ours et 2 castors. Non, c'est pas bon. J'ai mes 2 castors, j'ai mes 2 ours, mais j'ai seulement 2 ratons laveurs. Alors, il faut que je continue. Donc, ici, il n'y a pas de ratons laveurs. J'ai 3 ratons laveurs, 2 ours et 2 castors. Ah, ça n'a pas été facile pour celui-ci. Mais voilà comment on joue à cache-cache. D'abord, Smart Game, ils ont fait un super bon travail avec, comme d'habitude, leur boîte. C'est pas la première fois qu'on voit ça, où on peut ranger le cahier des challenges et les pièces de puzzle, en fait. Moi, j'ai d'abord aimé la couleur. C'est tellement clair, c'est tellement joyeux comme couleur, magnifique. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, avec les animaux du Canada, la bernache, le castor, etc. Donc, c'est un sujet qui nous rapproche. Le petit guide des challenges, super comme d'habitude, très très clair, donc avec des challenges de plus en plus compliqués, donc c'est vraiment le fun, et avec évidemment les réponses à l'arrière. Donc moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé celui-ci, je dirais peut-être plus que certains autres, donc si vous réussissez à le trouver, n'hésitez pas à aller le chercher, moi je le recommande.